C'est une cérémonie qui consacre pour les étudiants et leurs familles 4 années d'études, 4 années d'efforts, avec au bout, effectivement, pour la plupart d'entre eux, une consécration professionnelle. Le monde des entreprises et la fonction de manager ont considérablement évolué au cours des dernières années. Une grande école de management doit être à la pointe de cette révolution. Master, vous le savez, évoque la maîtrise de soi, de ses connaissances, de ses responsabilités dans l'entreprise, mais aussi dans la société. Déjà, merci à M. Jourdan et à la Fondation pour cette bourse qui m'a quand même permis de faire ces 4 années vraiment exceptionnelles. L'idée, c'est de vivre ensemble ça de manière décontractée, mais avec une certaine solennité, et de faire en sorte que ça soit un souvenir inoubliable pour les diplômés, pour leurs parents et pour leurs amis. Ils sont allés à l'international, ils ont fait de l'apprentissage. Enfin, pour nous, c'est vraiment une grande fête, comme pour eux. On est très heureux de les voir là et c'est pour cette raison qu'on est tous présents d'ailleurs. Vous êtes jeune diplômé, vous avez déjà 5 années d'expérience professionnelle. J'ai été recrutée il y a 2 ans par André Sautet, ancien directeur du développement territorial d'EDF. Et j'ai été plongée dans la stratégie du groupe. Et je pense que l'apprentissage est vraiment l'école de la vie. On peut parfaitement faire confiance à un petit jeune qui débute et qui s'est impliqué complètement. Bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde sur l'international. L'expérience à l'étranger que j'ai faite en 2e année, ça m'a permis d'enchaîner toutes ces différentes expériences et de réaliser mon rêve, vu que les États-Unis c'était mon rêve. Cette réussite, je la dois en grande partie au groupe Subdeco Montpellier et à ses partenariats avec les universités étrangères. C'est un jour très important, très émouvant. Et ça clôt 4 belles années d'études, de voyages, d'amitié, plein de belles choses. Et dans cette mission, il ne peut pas y avoir d'excellence, il n'y a pas d'engagement personnel. Monsieur Tanguy Diru. Ouais ! J'appelle mademoiselle Frédérique Geoffroy. Au-delà des professeurs, des responsables, c'est surtout vraiment les valeurs qu'ont mentionnées nos directeurs, la diversité et l'ouverture. C'est des valeurs que je partage. Einstein a dit, n'essayez pas d'être un homme. N'essayez pas d'être un homme qui a du succès, essayez d'être un homme qui a de la valeur. Je pense que aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi grâce à vous, parce que vous êtes tous des gens qui avaient énormément de cœur et énormément de valeur. Cette réussite, c'est une réussite commune. Je vous remercie. L'étranger, un an au Chili, j'ai travaillé en Amérique latine, au Maghreb. Des bonnes années, des galères aussi, et puis une formation de qualité. Je suis allée en Chine et j'étais vraiment très contente de ce choix et j'ai passé des moments formidables. Très fière, elle a eu un parcours sans faute. Les parents sont aussi fiers que les enfants qui ont eu le diplôme là. On l'a eu. Je suis vraiment très fière de moi. J'étais la seule étrangère en tant qu'apprentie. Donc voilà, je voulais remercier mes camarades, mes professeurs, mes parents. Adieu et voilà, je suis très contente.